C'est par des prières et des louanges que la cérémonie d'inauguration du tout nouveau siège du Conseil fédéral des adeptes de la Tariqa Tidjania du Mali a débuté. La Tidjania, qui fait la promotion d'un islam de tolérance et de juste milieu, s'est félicitée du soutien du royaume du Maroc. Œuvrer pour un islam de paix, d'amour, de solidarité et de tolérance. Dans cette noble mission, nous sommes heureux de bénéficier du soutien inestimable de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Maroc, du Maroc, Amir al-Mu'minin, que Allah le bénisse. Après la coupure du ruban, l'ambassadeur a eu droit à une visite des locaux dans lesquels l'on peut voir les hommages rendus au roi Mohamed VI. Le Maroc soutiendra toujours votre conseil et il est aux côtés de vous pour que la paix puisse régner dans cette contrée, dans ce pays, la paix, la cohésion sociale et on appelle toujours à ce que puisse revenir, le Mali puisse revenir à ce temps d'antan, à cette cohésion sociale, cette unité du nord au centre, au sud et de l'est à l'ouest. L'excellence des rapports entre les deux pays se traduit par la signature prochaine d'un accord de formation d'une nouvelle vague d'imams maliens au Maroc. Que moi je dois me rendre avec toute mon équipe au Maroc grâce aux efforts inlassables des plus hautes autorités du pays, le colonel Hachim Goïta, pour avoir une deuxième convention avec le Maroc pour la formation des imams au Maroc encore une fois de plus. À partir de ce siège, les Tidjanes du Mali entendent répandre le message de paix et de cohésion sociale à travers tout le pays.